Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut, mon cher. Salut, Simon. Écoute, Martin, je viens de dire qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire. Aujourd'hui, l'une des grandes questions, c'est est-ce que Jésus est réellement celui qui a dit qu'il était? Parce que, historiquement, même les historiens, tout ça, on reconnaît, il y a eu un gars qui est venu il y a 2000 ans qui s'appelait Jésus, qui était une bonne personne. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, c'était qui? C'était-tu un fou? C'était-tu un prophète? C'était quoi la patente? Y a-tu des indications dans la Bible? Bien, la réponse est oui, là. Mais, qui pourrait nous indiquer, nous aider à arriver à une conclusion? J'ai déjà fait, en passant, Simon, un genre de vox pop, là, pour un camp de vacances, je parlais avec les jeunes, puis j'ai envoyé deux de mes étudiants, 17-18 ans, « Allez-vous-en au centre-ville à Sherbrooke, allez avec de quoi pour enregistrer, puis demandez aux gens qui est Jésus, selon toi? » Il y a toutes sortes de réponses, hein? Oh, le spectrum de réponses, le spectre est très large et c'est intéressant. Et c'est une question, je crois, qui est tout de même légitime à se poser en tant qu'auditeur à l'émission. À peu près tout le monde va vouloir se poser la question, qui est Jésus? Est-ce que c'est... Bien, la Bible dit qu'il est le Fils de Dieu. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est vrai? Ça change quoi s'il ne l'est pas? Bien, ça change quelque chose. Je crois que ça change beaucoup. Et on a un personnage dans la parole de Dieu qui est très connu. Tout le monde connaît Jean-Baptiste. Et pour Jean-Baptiste, la question « Jésus, c'est qui? » c'est de la plus haute importance. Parce que Jean-Baptiste, c'est un prophète. C'est lui qui était responsable d'annoncer la venue du Messie. Fait qu'il voulait être certain que c'était le Messie. Puis là... Jean-Baptiste avait fait son ministère, il avait été mis en prison, Jésus avait commencé à faire son ministère à lui aussi, et là, Jean-Baptiste est en prison, il entend toutes sortes d'affaires sur Jésus, puis là, à quelque part, je crois qu'il y a eu un petit doute. Bien, écoute, lui, il savait que le Messie était pour venir, mais qu'est-ce que le Messie était pour faire? Il n'y avait pas toutes les lumières, lui-là. OK, il devait peut-être s'attendre aussi à une délivrance d'Israël au niveau politique. Et peut-être, c'est quoi qui se passe? Fait, le Jésus qui devait s'attendre, c'est peut-être pas nécessairement ce qu'il entendait qui était pour lui. Qu'est-ce qui se passe, là? Et il veut savoir. Et légitimement, qu'est-ce qu'il fait? Il est en prison. D'une certaine façon, il a accès à du monde, il peut parler à des gens. Et dans l'Évangile de Luc, au chapitre 17, c'est écrit « Jean fut informé de tout cela par ses disciples. » Verset 18, exactement. De tout ce que Jésus faisait. La scène d'avant dans l'Évangile de Jean, Jésus ressuscite le fils d'une veuve à Nain en Galilée. Un événement incroyable. Juste avant ça, il avait fait un grand discours, le fameux discours sur le sermon sur la montagne, c'est-à-dire. J'entends toutes sortes de choses. Et là, il appelle deux de ses disciples et il les envoie vers Jésus pour lui demander, « OK, allez voir Jésus et demandez-y s'il est celui-là qu'on devait attendre. Es-tu vraiment le Messie? » Et il y a une saveur de doute. Parce que Jésus, Jean-Baptiste, c'est lui qui a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il l'avait dit auparavant. Il l'a déjà dit auparavant. Et là, il va avoir une confirmation. Puis, mettons-nous dans les souliers de Jean-Baptiste. T'es en prison. T'avais peut-être pas prévu ça dans tes plans de carrière. Probablement pas. Tu sens que la soupe est peut-être très chaude parce qu'il disait à Hérode qu'il n'était pas permis d'avoir la femme de son frère. Peut-être pas les choses les plus faciles quand tu es en prison là, à dire, si tu veux conserver la vie, etc. Dans son cas, il va la perdre, pour cette raison-là. C'est ça. Donc, tu comprends, moi, je ne veux pas jeter la pierre à Jean-Baptiste. Au contraire, et j'aime à dire que Jean-Baptiste a douté un petit peu pour moi. Pour nous tous, en tant que humains, sceptiques, critiques. Et c'est correct! C'est pas mauvais! On aime la foi raisonnée. On n'est pas en train de dire qu'il faut croire aveuglément. Non. Y a-tu des preuves? Absolument. On est pour le sens critique. Là. Donc, Jean-Baptiste envoie quelqu'un voir vers Jésus. Et là, Jésus va lui donner une réponse que, à la base, j'ai trouvé un peu bête. Ouais, explique-nous ça. On va lire. Arrivé vers Jésus dans Luc 7, 20, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour te demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Puis là, il y a comme une parenthèse dans le texte.
À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à bien des aveugles. Je t'arrête ici. C'est quand la dernière fois que toi, tu as vu des aveugles voir? Ça m'est jamais arrivé. Voir des infirmes, des paraplégiques, des quadriplégiques, en un instant être guéri de même? Jamais. OK. Fait que là, Dieu silence, les gars sont là pour demander des questions. C'est ça. Jésus, la scène, on la connaît pas trop, là, mais surveille d'abord, puis il fait des affaires qu'on n'a jamais vues. Là. Et Luc le dit bien, là, tu sais, la question dit, devons-nous en attendre un autre? Puis là, c'est comme si Luc nous met une belle parenthèse, puis il nous dit ça. Puis là, le verset 22, « Puis il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et au début, quand je lisais ce texte-là, bien voyons, Jésus est bien bête. Ils ont demandé, « T'es-tu le Messie? » Tu réponds oui, tu réponds non. Oui, mais c'est à cause que cette réponse-là n'est pas bonne. Oui, non. Parce que n'importe qui peut dire oui, n'importe qui peut dire non. Sauf que la liste qu'il y a là... Personne ne peut faire ça. Non. Comme tu viens de dire, as-tu déjà vu ça? Non. Non. C'est impossible. Et la réponse que Jésus donne, elle est d'une beauté extraordinaire. Et on va prendre une pause. Puis j'aimerais ça qu'on explore un peu plus en détail la réponse. Parce que Jésus, comme il fait ailleurs, il utilise ses réponses, il utilise des conversations pour révéler qu'il est celui qui était supposé devenir. Qui avait été annoncé pendant des centaines d'années. Exactement. Donc, après la pause, on va justement découvrir qu'ici, il est en train de faire exactement ce que le Messie s'était promis qu'il fasse ça. Donc, il y a un lien à faire. Restez avec nous. Savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Est-ce que Jésus est réellement celui qui était supposé venir? Jean-Baptiste veut confirmer, veut être sûr et certain. Il envoie deux personnes aller leur poser la question, aller lui poser la question. Et il pose la question. Jésus répond pas tant, fait des miracles incroyables, puis dit... Allez voir Jean-Baptiste, et je vais juste le relire ici. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et là, on pourrait passer ici puis juste continuer. Mais il ne faut pas. Ces paroles-là ont été dites avant. Et quand Jésus dit ça à, pardon, à Jean, c'est de l'or, parce que Jean connaissait sûrement les Écritures, et Jésus est en train de citer des passages de l'Ancien Testament du fameux et grand prophète Ésaïe, qui a prophétisé beaucoup sur le Seigneur Jésus. Mm-hmm. Son plus célèbre chapitre, certainement le chapitre 53, où il décrit Jésus. Les souffrances de Jésus. Et la raison des souffrances, oui. Mais en fait, là, il cite Ésaïe 35, exactement ce que tu viens de nous lire, qu'est-ce que Jésus faisait. Parce que n'importe qui peut arriver et dire que je suis le Messie, mais personne ne peut arriver et faire ce que Jésus a fait s'il n'est pas le Messie. Donc, en faisant ça, il accomplit l'Ancien Testament et même un autre passage qui accomplit, qui cite, c'est Ésaïe 61, entre autres, lorsqu'il dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a consacré. Puis là, Ésaïe 61, ça termine pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Et c'est un texte intéressant qui est relié parce que Jésus vient pas longtemps avant le lu dans l'Évangile, alors qu'il était... Il est allé visiter Nazareth, la ville où il a grandi, et il était dans la synagogue, on lui a remis le rouleau du prophète Ésaïe, parce qu'on s'entend qu'à l'époque, c'était des rouleaux, c'était pas un livre comme nous on a. Puis, il va trouver l'endroit où c'est écrit ce passage-là, et il va le lire. Et dans sa phrase, il va lire « Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel », et il arrête. Pourtant, la phrase continue « Et un jour de vengeance de notre Dieu », et il arrête. Il ferme le rouleau, et là, tout le monde le regarde.
Jésus les regarde tous puis il dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. » Et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que Jésus était venu proclamer une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance, ça vient, mais c'était pas... C'est pas arrivé encore. Non, exactement. Donc, Jean Baptiste reçoit une réponse de la part de Jésus qui est des plus convaincantes. Il n'a pas juste dit « Oui, oui, vous allez dire, c'est moi. » Non, non, non. Deux choses. Première chose, il fait des miracles que personne ne peut faire. Et deuxième chose, il cite les Écritures et dit « C'est ce que vous venez de voir. » Puis pas juste faire des miracles qui devaient être faits. Et c'est justement ça, là. L'histoire des boiteux, des aveugles, c'était ça que c'était supposé être fait, là. Dans Isaïe, ça le dit, les boiteux vont sauter de joie, les muets vont crier de joie. Il est en train de faire les miracles qui devaient accompagner la venue du Messie pour qu'on puisse le reconnaître. Sinon, n'importe qui va se prétendre être le Messie. Et c'est justement ça. Jésus aime confirmer qui il est. Là, je fais un petit aparté ici. On se souviendra, à un moment donné, il y a quelqu'un, un paraplégique, qui se fait descendre du plafond par ses amis. Et puis là, tout le monde est là. La salle est bondée. Et Jésus fait quelque chose de vraiment spécial. Il va dire... tes péchés sont pardonnés. Et probablement que le gars devait faire « Mais je ne suis pas venu pour ça, moi-là. » Puis les gars qui l'ont descendu, c'était pour qu'il soit guéri. Il s'en vient de voir le guérisseur Jésus et Jésus lui pardonne ses péchés. Il devait être déçu. Mais Jésus, il n'est pas comme ça, lui. Jésus, il va vraiment au besoin principal et c'était clairement le péché. Et là, le monde dit « Avec quelle autorité tu fais ça? » T'es qui, toi, pour dire que tes péchés sont pardonnés? C'est juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Et c'est là que Jésus lui dit, ben voyez qu'est-ce qu'il y a de plus grand, qui dit tes péchés sont pardonnés ou prends ton lit puis marche. Parce que ça, personne ne peut faire ça. Personne. Tout le monde peut dire, ah oui, ben je pardonne tes péchés, mais il n'y a personne qui peut dire je pardonne tes péchés et je te le prouve, je te guéris. Ici, c'est exactement la même chose. Je vais démontrer qui je suis avec ce que vous pouvez observer. Pas ce que juste mes paroles. Croyez-moi pas sur parole. Regardez ce que je fais et ça va confirmer tout ce que je dis. Et ça va bien avec comment on a introduit l'émission, Simon, parce que oui, le christianisme, le vrai christianisme, celui-là qui suit Jésus, là, pas la religion, là, celui-là qui suit Jésus, c'est par la foi. Mais ce n'est pas une foi absurde. Pardon, ce n'est pas une foi stupide, c'est une foi qui est fondée dans une personne qui est hors de tout doute, qui y prétend être, parce qu'il a accompli des choses en face de centaines de témoins qui nous sont rapportés dans la parole de Dieu. C'est écrit qu'il va ressusciter, que la mort n'aura plus de pouvoir sur lui. Quelle meilleure façon de démontrer que tu es Dieu en ressuscitant. Il n'a pas juste dit « je vais ressusciter ». Il n'a pas juste dit « je suis... » Non, il a ressuscité pour démontrer que la mort n'avait plus de pouvoir sur lui. Bref, le Nouveau Testament, les Évangiles, c'est juste ça. La démonstration que Jésus ne faisait pas juste parler. Il a parlé en masse, mais il y avait toutes les œuvres qui étaient en arrière. Et pour moi, puis j'espère pour nos auditeurs également, c'est un signe qu'on peut mettre notre confiance en ce Jésus-là. Oui. Parce qu'il est vraiment qui il prétend être, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui est venu sur la terre avec tout le pouvoir qu'il avait, mais aussi en s'humiliant, en prenant la place d'un homme, d'un être humain limité. Je peux peut-être entendre des gens à la maison dire « Oui, mais ça, c'est ses disciples là, qui ont tout inventé ça de toutes pièces. » T'imagines, ils ont fallu qu'il y ait un meeting, un rendez-vous, les 11 ensemble. Et on se dit, là, on va contre un mensonge. On va dire des choses, on va raconter une histoire qui n'est pas vraie, puis on va mourir pour ça. Parce que la grande majorité, à part Jean, sont tous morts martyrs. Donc, ce serait mort pour un mensonge. Puis en plus, leur mensonge, il a fallu qu'ils l'organisent pour qu'il soit en lien avec tous les écrits de l'Ancien Testament. Non, ça fait absolument aucun sens. Et c'était pas des gars qui étaient réputés pour être éduqués. Non, 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 au contraire. Fait que Paul aurait pu faire quelque chose de similaire. Mais Pierre, puis Jean, puis Jacques, pas du tout. C'était des pêcheurs, les gars, là. Pêcheurs professionnels. Oui. C'était pas des hommes versés dans la loi, là. Alors,
Dieu nous démontre, nous prouve, Dieu veut dire, hey, c'est crédible. Vous voyez, la réponse, j'aime ce que tu as dit, la réponse que Jean a reçue et la question qu'il a posée, c'est bon pour moi aussi, ça a renforcé. C'est correct d'avoir une foi éclairée et une foi de dire, wow, OK, ce qui a été dit, c'est vrai. Restez avec nous. Après la pause, il y a plusieurs autres choses qui doivent être dites sur ce texte et c'est ça qu'on va couvrir. On se voit bientôt. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Donc, les amis de Jean-Baptiste viennent poser une question à Jésus. Jésus leur fait des miracles, répond, il cite les Écritures, c'est bel et bien moi. Fait que les deux gars ils disent, OK, ben on retourne voir Jean. Jésus fait du pouce un peu sur la situation. Parle-nous de ça. Quand les disciples de Jean repartent, Jésus reprend la balle au bon, puis il se met à parler. Puis il va littéralement... Parce que le Messie devait venir, c'est annoncé dans l'Ancien Testament. Mais il y avait quelqu'un qui devait venir avant le Messie. Préparer le la venue du Messie, voilà. Exactement. Et Jésus va dire, il va parler aux gens, « Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? » Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui à propos duquel il est écrit. Il est écrit dans l'Ancien Testament. « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » C'est une prophétie du prophète Malachi au chapitre 3 dans l'Ancien Testament. Jean-Baptiste était bel et bien celui qui devait m'annoncer moi, me préparer ma venue à moi. Ça me fait poser la question, puis peut-être les gens à la maison se posent la question aussi. Préparer le chemin. Comment que Jean-Baptiste a préparé le chemin, Martin? Comment préparer le chemin à une telle personne? Et qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait lors de son ministère terrestre? Tout le monde, je crois, même nos auditeurs, la plupart, même ceux qui sont moins familiers, vous allez peut-être avoir entendu parler. On l'appelle comment? Jean le Baptiste. C'est pas parce qu'il était dans la religion baptiste. Non, pas du tout. C'est parce qu'il baptisait les gens. Et il baptisait les gens. Pourquoi? Les gens venaient à lui, c'est écrit, ils se faisaient confesser leurs péchés et se faisaient baptiser. C'est un baptême de repentance. C'est ça. Non, attends, les gens avaient besoin de se repentir avant la venue de Jésus, avant que Jésus rentre en scène. Et ça, c'est l'essentiel, Simon. Personne ne va venir à Dieu, à Jésus, sans reconnaître qu'il est coupable devant Dieu. Parce que tu n'as pas besoin, si tu te penses bien correct, tu ne viens pas à Dieu parce que tu te penses correct. Ben c'est populaire. Moi aussi, j'ai fait des vox pop, puis la plupart des gens se considèrent des bonnes personnes. Mm-hmm. Parce qu'on regarde à l'horizontale, puis « Ah, je suis meilleur que selon ça, je ne suis pas si pire. » Mais devant, parce que c'est Dieu le juste juge, est-ce que Dieu va te dire que je suis une bonne personne? Et c'est là que Jean-Baptiste, il baptisait des gens qui se repentaient parce que ce n'étaient pas des bonnes personnes. Et y a-tu des bonnes personnes? Bien, il n'y a personne qui n'a pas péché. Alors, il n'y en a pas de bonnes personnes. Sauf que, est-ce que tout le monde se faisait baptiser? Bien, c'est là la patente. Parce qu'on voit, verset 29, je vais le dire, tout le peuple qui l'a entendu, et même les collecteurs d'impôts, les escrocs du temps, là, ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Fait que là, même les pires criminels disaient, hey, j'ai besoin de me repentir devant Dieu est saint, Dieu est parfait, je veux me repentir. Mais je continue au verset 30. Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. C'est triste. Vraiment? Eux ne voulaient pas se reconnaître des pécheurs. Alors, ils refusent le plan de Dieu qui était de venir sauver des pécheurs. Et ce qui est quasiment drôle dans l'histoire, c'est que Jésus vient juste de faire quoi?
Il vient juste de montrer que lui, selon l'Ancien Testament, que ces gens-là, là, les pharisiens et les professeurs de la loi, c'est les autres qui enseignaient la Bible. Eux, ils la connaissent. Ils sont supposés la connaître. Jésus avait démontré que le Messie devait faire ces miracles-là, et Jésus les avait faits, donc il est le Messie. Jésus venait juste de dire qu'avant moi que je vienne, il y avait quelqu'un qui devait venir préparer la voie. Ça a été annoncé par le prophète Malachie, qui était pour préparer la voie, comment? En faisant un baptême de repentance. Et puis, ils ne reconnaissent pas. Et je ris, mais en fait, je devrais plutôt pleurer. C'est triste comme situation. Les principaux, les gens qui auraient dû être les premiers à dire « Oh oui, c'est lui, gars, c'est écrit! » Malheureusement, à cause de leur propre justice, à cause qu'eux autres, ils se sentent bons, là. Ils sont, hey, c'est des bons gars, là. Nous autres, ils sont religieux, là. Ils vont à l'église du temps, là. Ils lisent la parole de Dieu, ils l'étudient, ils l'enseignent à tout le monde. Nous, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'aller avec ce petit peuple-là pécheur. On ne veut pas s'associer à ça. Et en faisant ça, ils ont manqué l'avenue du Messie. En fait, ils l'ont fait crucifier. Encore pire, oui. J'aime ceux qui ont voulu se faire baptiser, comment ça nous dit au verset 29. Ils ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Ils ont reconnu que Dieu avait une justice qu'eux, ils n'avaient pas. Et qu'il y avait une justice qu'ils devaient acquérir, qu'ils n'avaient pas. Et là, la reconnaissance, c'était se faire baptiser. Et la justice qui est venue, c'était Jésus. Peux-tu nous parler justement, pourquoi Jésus, c'est quoi le rapport de Jésus et la justice de Dieu? Parce que il y a des coupables. Il y a des gens, comme tu le sais, qui se reconnaissent coupables. Qui sont coupables. Mais lorsque quelqu'un qui a brisé quelque chose, il faut que ça soit payé. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. On dit souvent que Dieu est amour. C'est vrai. C'est entièrement vrai. Il n'y a pas plus grand amour que Dieu lui-même. C'est un aimant. Mais Dieu est aussi juste. Il est tout aussi juste qu'il est amour. Et probablement que j'ai déjà fait cet exemple-là ici à l'émission, mais comment balancer un amour infini de Dieu et la justice de Dieu? Fais juste écarter un peu près exact. Tes bras. Et voilà. La croix de Jésus. Jésus a payé le prix de notre injustice en étant lui juste et en acceptant de prendre ce qui devait me revenir. Moi, je devais mourir. Toi, tu devais mourir pour tes fautes. On devait être séparés de Dieu. Et Jésus a accepté d'être séparé de Dieu. Qu'est-ce que Jésus va dire sur la croix? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a accepté d'être séparé de Dieu à ma place pour que je sois réuni, réconcilié avec Dieu. On le dit souvent ici dans cette émission-là. On supplie les auditeurs d'être réconciliés avec Dieu. Et c'est simple, il faut accepter que Jésus a payé le prix de la réconciliation. Mon injustice... Il a dit, je vais la prendre sur moi. Je te donne ma justice parfaite. Celle que devant Dieu, c'est parfait. Nous, on vit dans l'illusion bien souvent qu'on est des bonnes personnes. Jésus n'était pas dans l'illusion qu'il était une bonne personne. Jésus est Dieu. Alors, il est parfait. Alors, tout ce qu'il a fait était toujours parfait selon les lois morales de Dieu, selon la plus haute perfection qu'on ne peut pas imaginer, celle de Dieu. Et ce qui est impressionnant, c'est que Jésus a accepté de prendre votre injustice et la mienne, puis faire cet échange-là. C'est spécial que ça commence avec un baptême de repentance. C'est de reconnaître que justement, j'ai besoin de faire cet échange-là. Ma justice devant Dieu, dans Ésaïe, justement, ça nous parle que Dieu la voit comme un vêtement souillé. J'ai besoin d'une justice parfaite. Vous avez besoin d'une justice parfaite. Et ça, c'est Jésus qui peut nous la donner. Après la pause, on va justement regarder comment vous pouvez et je peux me l'approprier et avoir cette assurance-là que devant Dieu, je suis juste. Restez avec moi.
Très bonjour à vous. Martin, c'est fascinant. Il y a des fils conducteurs dans la Bible. Mm-hmm. Et un des fils conducteurs, c'est la repentance. C'est là. C'est dans le Nouveau Testament. Puis dans l'Ancien Testament aussi. Là. On vient de voir que Jean-Baptiste avait été envoyé pour préparer la venue de Jésus. L'essence du message de Jean, c'est quoi? Dans l'Évangile de Marc, on dit « Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. » L'essence, la préparation de Jean, c'est le baptême de repentance. Réaliser que vous avez besoin de reconnaître vos fautes, vous avez besoin de quelqu'un pour vous sauver. Jésus, quelques versets après dans l'Évangile de Jean, après que Jean eut été arrêté, donc son ministère était terminé, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume, puis il disait quoi? Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Changez d'attitude, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La même affaire. Fil conducteur, il meurt, il ressuscite, se présente à ses disciples, leur donne quelques dernières directives, se fait exalter au ciel, et les disciples attendent, reçoivent le Saint-Esprit, et la première prédication qui est faite, la première prédication après la mort de Jésus, Pierre s'adresse aux gens et dit quoi? Repentez-vous. Jean-Baptiste, Jésus, Pierre, il y a un dénominateur commun. Arrête de penser que tu es une bonne personne. Arrête de penser que tu es juste devant Dieu. Arrête de penser que ta religion, tes actions, ou peu importe, vont pouvoir t'amener à être agréé de Dieu. Non, tu es un pécheur. Ce n'est pas possible. Et j'aimerais mettre au défi nos auditeurs aujourd'hui de ne pas faire comme les pharisiens et les professeurs de la loi qui ont rejeté le plan de Dieu pour eux. C'est Jésus qui le dit. Jésus avait même dit « heureux ». Celui pour qui je ne présenterai pas un obstacle, je ne serai pas une pierre d'achoppement. Je vous en prie, ne faites pas comme ces gens-là, mais repentez-vous. Une illustration pour que ce soit visuel, une repentance. Si je m'en vais dans cette direction-là, en pensant que je suis une bonne personne et que Dieu va m'agréer ou que ma religion va m'apporter... Une repentance, là, c'est faire un 180 degrés et d'aller dans l'autre direction. Et dans ce qu'on est en train de voir aussi, c'est dire Jésus... J'ai besoin de ta justice. J'ai besoin de toi, ta perfection. Je vous lis Romains chapitre 5, verset 1. « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » La paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Donc, il est possible de ne pas avoir la paix avec Dieu et c'est possible d'avoir la paix avec Dieu. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que la justice de Christ nous procure la paix. Et c'est sur la base de la foi. Croire que je suis pécheur et que Jésus a pris mes péchés et que moi, maintenant, il me donne sa justice. Il ressuscite, il me donne la vie. J'ai la vie éternelle. Est-ce que vous croyez ça? Ou vous voulez vous présenter devant Dieu avec vos bonnes actions puis votre religion? Non, je vous en supplie. Présentez-vous à Jésus et dites-lui, sauve-moi et vous serez réconciliés avec Dieu. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.